En médias, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication envisage une séance pédagogique avec quelques chaînes de télévision émettant à Kinshasa, à l'instar de RTNC, Antenne A, CCTV, Télé 50 et RTCE au sujet de certaines informations politiques traitées et diffusées. Ceci ressort de la 50e session ordinaire du CESAC. Suivez le compte-rendu de cette réunion faite ici par son rapporteur. De l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui a examiné plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, notamment l'examen et l'adoption de l'avis que le CESAC adresse au Parlement sur le projet de loi sur la publicité en examen au niveau du Parlement, parce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication avait lu ce projet de loi et a constaté que dans certains articles, il risque d'y avoir un télescopage des compétences avec les compétences que le législateur, avec la loi organique, a attribuées au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et je voudrais également vous signaler que le rapport de monitoring des médias sur la couverture médiatique de l'information politique sera incessamment rendu public pour que les consommateurs des médias, mais également les professionnels des médias, voient eux-mêmes comment ils assurent la couverture médiatique pluraliste de l'information politique. La majorité présidentielle a plus d'espace sur RTNC et Télé 50. Les partis de l'opposition ont plus d'espace, plus de 80% sur Antenne A, RTCE et CCTV. Et après la publication de ce rapport, nous aurons des séances de travail pédagogique avec ces cinq chaînes de télévision que nous avons.